Bah, ça sera un nouveau temps festif dans notre calendrier annuel des fêtes. Et donc, écoutez, j'espère que tout le monde aura à cœur de participer à ce festival. On y prévoit à la fois des activités aquatiques, nautiques, des joutes, du kayak, de la plongée. Et mais on y prévoit aussi l'organisation d'un grand carnaval au cours duquel nous allons réhabiliter ou faire sortir du Rhône cette figure légendaire qu'est la mâche-croûte, cet animal légendaire, vous savez, qui dort sous le pont de la Guillotière et qui est responsable des crues du Rhône. Voilà. Et puis, ça sera aussi l'occasion, au travers de cycles, de conférences, de parler des écosystèmes fluviaux, de parler de la ressource en eau, de la biodiversité. Donc, on travaille aussi bien avec les Voies Navigables de France, avec la CNR, avec l'UNICEF. On a tout un tas de partenaires déjà très engagés à nos côtés pour préparer ce festival. Puis, j'espère aussi qu'on pourra laisser une grande place à la musique, avec des concerts qui pourront avoir lieu en plein air. On y travaille actuellement.